Enfin, mes spectaculaires 16 ans sont arrivés. J'ai passé des mois à délibérer sur chaque petit détail de cette parfaite fête sur le thème des papillons. Mieux encore, tous les VIP de l'industrie de la mode étaient invités. Assez impressionnant, non? Au fait, je suis Charlotte Stone, une influenceuse mode avec plus de 500 000 followers sur Instagram. Un jour, je vais devenir une créatrice emblématique tout comme Tory Burch. Cette fête était ma grande chance de me faire remarquer par tous ces gros bonnets. Mais attends, Ava? Que faisait-elle, bon sang? Ne réalisez-vous pas combien il est important de trier les ordures? Il n'y a pas que des déchets, comme celle-ci a beaucoup de valeur. Oh mon Dieu! Et maintenant, elle remplaçait les serviettes des invités par des tissus biodégradables. Soudain, elle sursaute et se précipite vers un invité qui arrive. « Votre écharpe, c'est de la vraie fourrure de vison? Espèce de monstre sans pitié !» Oh non, c'était Trixie Maxflower, la célèbre drag queen qui se pavane maintenant en colère grâce à l'emportement de ma sœur. Ava a tout gâché avec ses habitudes de hippie. Et tous mes invités sont partis. Non, 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 tout est gâché. Et c'est entièrement de sa faute. Ah, ce n'était pas la première fois qu'Ava faisait des choses comme ça. Elle se disait éco-activiste et ramenait constamment des déchets à la maison pour les transformer en choses, se disputait avec tous ceux qui ne triaient pas correctement leurs déchets et forçait tous à participer à des manifestations contre le changement climatique. Le pire, c'est que j'étais toujours entraînée dans ces campagnes stupides. C'est super embarrassant d'être appelée la petite sœur de la fille des ordures. Lottie, où vas-tu? Attends! Hé, la fille des ordures! Pourquoi ne pas recycler ça en chaussures de skate, hein? La prochaine chose que je sais, c'est qu'une peau de banane dégueulasse a atterri sur mon visage. Lottie, tu vas bien? Non, ma fête se passait parfaitement bien jusqu'à ce que tu débarques avec ton éco-anxiété lunatique. J'aurais aimé que tu quittes ma fête, pas eux. En fait, j'aimerais ne pas avoir de sœur écolo et amoureuse des ordures du tout. Puis j'ai poussé Ava sur le côté et je suis partie en trombe. Elle était allée trop loin cette fois. Mais peut-être que ce que j'avais dit était un peu trop. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un cadeau d'anniversaire d'Ava sur ma table de chevet. C'était ce joli bracelet, fabriqué à partir de plastique recyclé, bien sûr. Il m'a fait sourire et m'a rappelé toutes les fois où elle avait pris soin de moi. Je suis allée dans sa chambre pour la remercier de son cadeau, mais elle n'était pas là. J'ai alors repéré une lettre sur son lit. « Maman, papa, Charlotte, je m'en vais vivre selon mes convictions et mes valeurs, sans vous affecter tous. Ne me cherchez pas. » « Oh non ! Ne me dites pas que c'est à cause de ce que j'ai dit hier. Elle savait que je ne le pensais pas, non ? Je suis sûre qu'elle va se calmer et revenir bientôt. » Mais une semaine a passé, puis un mois, et maintenant, cela fait presque 2 ans, et ma sœur n'est toujours pas rentrée à la maison. Nous l'avons cherchée lors d'événements environnementaux, mais nous n'avions toujours aucun indice. Jusqu'au jour où je suis tombée sur un YouTuber qui parlait de la découverte d'une île écologique gérée par une communauté d'écologistes. Ça ressemble au style d'Ava. Attendez un peu, j'ai déjà vu ça. Cette île ressemblait à celle de la photo accrochée dans la chambre d'Ava. Le voilà. Ça doit être les coordonnées de l'île. Je dois aller chercher ma sœur. Oh mon Dieu, c'était un très long trajet. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un bateau qui m'emmènera sur l'île. Vérifions la carte. Hein? Ce ne sont pas mes affaires? Juste à ce moment-là, une femme m'a rejoint. Hé, qu'est-ce que tu fais avec mon sac? Je me suis rapidement excusée et j'ai rendu son sac, puis je me suis précipitée vers le train pour retrouver le mien. Mais c'était trop tard. Pas de téléphone, pas de carte. Que faire maintenant? J'ai demandé autour de moi, mais personne n'avait entendu parler de cette île écologique. Désespérée, je me suis affalée sur un banc. Quand soudain un homme m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que son bateau se dirigeait vers cette île. Je l'ai suivi jusqu'au port. Mais quand j'ai vu le bateau, j'ai immédiatement changé d'avis et me suis retournée pour partir. Mais l'homme ne voulait pas lâcher ma main. J'ai fait de mon mieux pour résister, alors que ses deux compagnons d'équipage à l'air effrayant se dirigeaient vers nous. Oh non, ça ne va pas bien se terminer. Laissez-la partir. Noah, c'est un kidnapping? Je dois appeler les flics? Paniqué, l'homme m'a lâché puis a grommelé et est parti. Je tremblais sous le choc, et mon rythme cardiaque a mis des lustres à revenir à la normale. Je n'ose pas imaginer ce qu'Ava a dû endurer là-bas pendant tout ce temps. Pourquoi est-ce que tu essayes tant de te rendre sur l'île éco? Ça ne semble pas être ton truc. Maintenant que je me suis calmée et que j'ai regardé ce gars correctement, oh, il était mignon. Et il savait pour l'île? Il s'avère que c'est un ancien résident et qu'il y emmenait sa sœur.
Je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui s'appelait Avastone, mais il a secoué la tête, disant que la plupart des gens qui venaient sur l'île changeaient de nom pour commencer une nouvelle vie. Ok, donc je devais voir par moi-même si Ava était vraiment là. Cependant, Noah a dit qu'il ne pouvait pas m'aider, car l'île a des règles strictes concernant les nouveaux arrivants. Alors j'ai dû mentir en disant que j'étais aussi une éco-activiste pour les convaincre de m'emmener avec eux. Et... ah, ça a marché! Mon intuition me disait que j'étais maintenant un pas plus près de trouver Ava. Ce soir-là, Noah a monté une tente sur la plage et nous y avons attendu un bateau qui devait nous emmener sur l'île le matin. En voyant Noah s'occuper d'Ellie, ma sœur me manquait tellement. Ma stupidité égoïste l'avait éloignée, mais maintenant je vais arranger les choses. Je te retrouverai coûte que coûte, Ava. Le lendemain, Noah m'a réveillée si tôt que même les mouettes n'étaient pas là. Nous sommes montés sur ce voilier branlant sans moteur. Bonjour, on allait sur l'île ou on retournait au temps primitif? Noah a aidé à faire naviguer le bateau, tandis que je devais m'occuper des cordes. C'était beaucoup plus dur que ce que ça en avait l'air. Je pouvais à peine sentir les muscles de mes bras. Le meilleur vent de tous les temps. Charlotte, tu es notre porte-bonheur. Mais oui, au moins j'avais cette belle vue pour compenser. Soudain, la corde m'a glissé des mains, faisant tourner la poignée du treuil et projetant mon bracelet dans la mer. Oh non ! Noah a essayé de m'arrêter, mais j'étais déjà au fond de l'eau et j'ai immédiatement été envahie par les ordures. Le voilà ! J'ai repoussé les ordures, attrapé le bracelet et j'étais sur le point de revenir quand une résille m'a attrapé le pied. Ah, je suis coincée ! Pendant que je me débattais, j'ai vu une tortue de mer morte, empêtrée dans des sacs en plastique qui dérivaient. Est-ce un présage de mon propre destin ? Puis j'ai senti qu'on me tirait par la taille et soudain, je suis sortie de l'eau. Après avoir toussé et craché de l'air, j'ai vu Noah. Il m'avait encore sauvée. Comment as-tu pu être aussi stupide ? Tu as de la chance que je sois arrivée à temps. Non, c'est toi qui as de la chance. Tu viens de te trouver une nouvelle petite amie. Moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ton action aurait pu te tuer et tuer mon frère. Et tout ce à quoi tu penses est de flirter ? Je suis désolée, mais ce bracelet est vraiment important pour moi. Et je suis sérieuse. Quel est ton type de fille, Noah ? Moi ? Oh, je... peut-être quelqu'un de mature et... de courageux. Compris. À partir de maintenant, je serai plus mature alors. À l'aube suivante, je pouvais enfin voir notre destination. Mais juste au moment où j'ai posé le pied sur le rivage, deux hommes qui semblaient être des gardes du village m'ont arrêté. Tu as dit que tu emmenais une sœur, pas deux. Qui est-elle ? Elle est avec moi, dit Noah. J'ai fait de mon mieux pour les convaincre, mais ils ont insisté pour suivre la règle. Pas d'étrangers sur l'île. Je ne voulais pas de drame. Tout ce que je voulais, c'était trouver ma sœur. Hé, la chef arrive ! Bon sang, qu'est-ce qui se passe encore ? J'ai attrapé la main de Noah et je me suis cachée dans son dos. « S'il te plaît, ne me laisse pas seule !»« Je ne le ferai pas. » Avec mes yeux fermés, j'ai entendu quelqu'un s'approcher et la voix féminine a dit « C'est quoi toute cette agitation ?»« Attendez, cette voix !» J'ai jeté un coup d'œil au chef du village. « C'est Ava ?»« Ava, c'est vraiment toi ?»« Charlotte ?» J'avais trouvé ma sœur. Je me suis précipitée pour la serrer aussi fort que je le pouvais. « Tu m'as tellement manqué !»« Oh, petite Lottie, comment es-tu arrivée ici ?» Tu m'as manqué aussi. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai dit, je... C'est bon, j'ai déjà oublié. Viens, laisse-moi te faire visiter. Il s'avère que le jour où elle a quitté la maison, elle a rassemblé des personnes partageant les mêmes idées pour venir sur cette île et sauver son écosystème. Ils ont construit ce village et une digue pour protéger l'île de la montée du niveau de la mer. Quand Ava m'a demandé quel était mon parcours ici, je lui ai raconté toutes les difficultés que j'ai dû traverser et comment Noah m'a sauvée. Tu aimes Noah ? Je suppose que oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Je veux dire, tu as toujours détesté mon style de vie écologique, mais Noah et moi, tu sais qu'on a le même état d'esprit, non ? C'est vrai. Ils avaient beaucoup de choses en commun, alors que j'étais comme vivant dans un autre monde pour eux. C'est bon, j'ai beaucoup changé depuis la dernière fois que tu m'as vu, Ava. Je me demandais si je pouvais rester ici un moment ? Ava a accepté. Yay, maintenant je vais avoir un peu plus de temps pour persuader ma sœur de rentrer à la maison. Et pour gagner le cœur de mon homme. En tant que nouveau membre du village, le lendemain, j'ai commencé à aider tout le monde dans leurs tâches, comme ramasser des noix de coco, faire des trucs de bricolage et planter des coraux. J'ai même fait appel à mon sens de la mode pour créer des modèles élégants et respectueux de l'environnement. Même si Noah était trop occupé pour voir mes créations,
les autres villageois étaient très enthousiastes et venaient souvent dans mon atelier pour essayer de nouveaux vêtements. Hé, hey, rayon de soleil, ces créations sont de premier ordre. Tu es comme la déesse des tailleurs. C'est Sam, mon collègue de travail à l'atelier. Il a l'air bizarre, mais c'est en fait un génie qui peut créer des appareils technologiques à partir de matériaux de rebut. Chaque jour, il me donnait un cadeau bizarre différent. Ce type avait définitivement le béguin pour moi. Mais même son vélo licorne en coquillage n'a pas réussi à m'émouvoir, car je n'avais Dieu que pour Noah. En parlant de Noah, il vient de passer devant mon atelier, juste à temps pour lui montrer ce nouveau matériel. J'ai couru vers lui avec empressement, mais je me suis arrêtée quand Ava l'a soudainement attiré vers le hamac, s'est penché plus près et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Quoi ? Donc, quand Noah a dit qu'il préférait les filles matures, il voulait dire Ava ? Mais à quoi pensait ma sœur ? Elle savait que je l'aimais bien ! Après ce jour, je ne pouvais plus me concentrer sur rien à cause de ces deux-là. Noah a commencé à trouver des excuses pour ne pas nettoyer les récifs coralliens avec moi. Et devinez qui était derrière tout ça ? Ava ! Aïe ! Super, je venais accidentellement de marcher sur un oursin. On m'a donc emmené d'urgence à la cabane médicale. Ava est aussi venue me demander si j'allais bien, mais je refusais de lui parler ou de parler à Noah. La blessure a enflé et je ne pouvais toujours pas marcher normalement quelques jours plus tard. Étonnamment, Ellie a commencé à être gentille et à s'occuper de moi. Elle est même allée espionner Noah et Ava pour moi. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Je les ai même vus s'embrasser en secret plusieurs fois. Ils sont les parfaits rois et reines de l'île. Maintenant, il n'y a aucun doute qu'ils sortent ensemble derrière mon dos. Comment Ava a pu me faire ça ? Me sentant trahie, je me suis traînée jusqu'à l'atelier. Peut-être que le travail peut me distraire de tout ce bazar dans ma tête. Mais j'étais là, coincée avec Sam et ses phrases de drague ringarde. Tu dois être épuisée parce que tu m'as traversé l'esprit toute la journée. Ah, juste laisse-moi tranquille. Je suis sortie en trombe, mais j'ai trébuché et suis tombée. À ce moment-là, une main s'est tendue pour m'aider. C'était Ava. Bon sang, c'est la dernière personne que je voulais voir en ce moment. Tu n'as pas à faire semblant de t'occuper de moi. Tu sais très bien que j'aime Noah, mais tu es toujours avec lui. Charlotte, de quoi tu parles ? Je pars aujourd'hui, et tous les autres devraient faire de même. Cet endroit est pour les lâches qui ignorent les vrais problèmes écologiques qui se passent dans le monde extérieur. Voilà, j'avais tout déballé. Mais soudain, les villageois sont sortis des buissons, avec des décorations et un gâteau d'anniversaire avec... mon nom dessus. Ils organisaient une fête surprise pour moi ? Oh non, je n'ai pas fait exprès. Découragés par mes paroles, ils sont tous partis. Je suppose que tu m'as vu avec le chef quand nous préparions ta surprise d'anniversaire. Il n'y a rien entre nous. Je pensais que tu avais grandi, Charlotte, mais j'avais tort. Mon Dieu, la culpabilité que je ressentais en ce moment me tuait. Frustrée et honteuse, je savais que je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. J'ai attendu que tout le monde soit endormi pour me faufiler jusqu'à la plage, puis j'ai embarqué sur un petit bateau dans la nuit orageuse. Mais je n'ai pas pu aller bien loin, avant qu'une vague géante ne m'engloutisse, moi et le bateau. C'est la fin, je suppose. Mais quand j'ai ouvert les yeux, le visage de Noah est apparu devant moi. Est-ce que tu viens encore de me sauver ? Non, la chef l'a fait. Mais où est-elle ? Noah n'a rien dit, mais a juste regardé d'un air sombre vers le large. Attendez, ce n'est pas possible! Ma sœur ne peut pas être là-bas, n'est-ce pas? Non, non, non! Comment puis-je vivre en sachant que ma sœur s'est noyée à cause de moi? Est-ce que tu pleures pour ta chaussure manquante? Je me suis retournée pour voir Ava, vivante et en bonne santé. Ava, Dieu merci! J'ai sauté vers elle, mais... aïe! J'ai oublié que ma jambe était toujours blessée. Je suis vraiment désolée d'avoir été aussi stupide et égoïste. Ne sois pas stupide la prochaine fois. Il ne se passe rien entre moi et Noah. Il est tout à toi. J'ai regardé Noah et nous avons tous les deux rougi comme des tomates. Le lendemain, Ava a rassemblé tout le monde pour que je puisse leur présenter des excuses publiques. J'étais prête à ce que les villageois me jettent des coquilles de noix de coco. Mais au lieu de cela, ils ont admis que mes paroles étaient en partie vraies. Ce mode de vie doit être promu dans le monde entier, car chacun mérite de vivre dans un environnement propre et sain. Cela nécessite un effort commun. Puis, ils ont tous convenu que la personne idéale pour influencer la jeune génération à ce sujet était... moi ? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais oui, je suis prête à mener à bien cette mission significative. Et Noah s'est porté volontaire pour quitter l'île et aller inspirer le monde extérieur avec moi. C'est alors qu'Ellie s'est excusée auprès de moi et a avoué qu'elle avait inventé des histoires sur Ava et Noah, juste pour que je renonce à flirter avec son frère. Je pensais que tu ne ferais que lui causer des problèmes. Mais maintenant, je sais qu'il t'aime beaucoup.
Alors promets-moi que tu lui rendras la vie facile. Je vais faire de mon mieux, gamine. Promis. Cela fait 5 ans que nous avons quitté l'île, et j'ai réalisé mon rêve de devenir une célèbre créatrice de mode. Mais le plus important, c'est que j'ai pu rendre la mode écologique. Plutôt cool, non? À la fin du défilé, je suis montée sur scène et la foule a applaudi très fort. Mon inspiration créative vient de ma chère sœur Ava, qui m'a montré à quel point un environnement propre est vital pour chacun d'entre nous. Je tiens également à remercier Noah, mon incroyable petit ami, pour son amour et son soutien inconditionnel. Merci, merci à tous! Alors que je terminais mon discours, Noah est monté sur scène avec un énorme bouquet, tandis qu'Ava et les villageois me couvraient de câlins et d'éloges. Je suppose qu'un voyage sur une île écologique peut changer votre vie entière, n'est-ce pas?